Bonjour à tous, bienvenue dans FC Sion News, l'actu du club valaisan en condensé. Cette semaine, nous sommes chez Didier Crétenant, avec Didier qui est juste là-bas, mais aussi avec son chien. Nous visiterons son nouvel appartement, nous évoquerons avec lui sa situation actuelle, son futur avec le FC Sion. Et puis nous avons rencontré Vilmos Vanchak dans la deuxième partie de ce journal. Il nous parlera de son double coup de tête victorieux contre Neuchâtel Xamax la semaine dernière. Soyez les bienvenus dans ce journal. Le FC Sion s'est imposé la semaine dernière à Neuchâtel sur le score de 3-0, notamment grâce à ce but superbe de Giovanni Sio, une réussite qui figurera certainement dans les rétrospectives de la saison, saluée comme il se doit le lendemain par la presse et les observateurs. Alvaro Dominguez quitte officiellement le FC Sion, le Colombien s'entraîne en ce moment en Turquie, le milieu de terrain a signé un contrat de 2 ans avec le club de Samsunspor. Le FC Sion a saisi cette semaine le tribunal arbitral du sport dans l'affaire des non-qualifications de ses nouveaux joueurs. Le club valaisan invoque une décision arbitraire de la Swiss Football League. L'avocat du club valaisan espère obtenir des nouvelles du TAS avant le premier match européen du FC Sion. Et justement, qui sera l'adversaire des hommes de Laurent Rousset en Coupe d'Europe les 17 et 25 août prochains? La réponse vendredi, peu après 13h30. Le secrétaire général de l'UEFA effectuera lui-même le tirage au sort des barrages de l'Europa League à Nyon. Le FC Sion y sera représenté par son directeur général, à suivre en direct sur la chaîne Eurosport. Bonjour, bienvenue chez moi. Didier Crétenant retrouve son équilibre, il vient à peine d'emménager dans un nouvel appartement. Un nouveau départ également à l'image de sa carrière qui récemment a pris un second élan après plusieurs mois de disette. Oui, ça a été vraiment très difficile, surtout l'automne où je m'entraînais seul, où des fois j'allais m'entraîner avec Martini, où je faisais de la muscu, mais toujours seul, ça n'a pas été facile. Et ce qui m'a le plus manqué, ben, c'est la compétition. Chose que voilà, ce printemps, je suis revenu à Sion. Déjà de jouer, ça m'a fait beaucoup de bien et mentalement, c'était déjà beaucoup plus facile de se lever le matin et aller s'entraîner. Une chance qu'il a su saisir, la traversée du désert s'achève en effet un certain 29 mai dernier à Bâle, lorsque Laurent Rousset lui accorde sa confiance pour la finale de coupe. La veille du match, Laurent Rousset me convoque dans sa chambre après l'entraînement et me dit dans quelle position je vais jouer et ce qu'il attend de moi pour le dimanche, pour ce match contre Neuchâtel. On peut aller très vite en haut et très vite en bas. Moi, je pense qu'en une année, j'ai tout connu. Et maintenant, je dois me servir de ça pour avancer, pour progresser et être le plus performant possible sur le terrain. La première prise d'initiative de Didier, c'est d'avoir voulu revenir, de se mettre au service de l'équipe 2, en sachant que les portes, dans un premier temps, de l'équipe première n'étaient pas ouvertes. Et de se remettre au travail, de démontrer ce qu'il pouvait éventuellement amener. Je dirais qu'entre son volume de course, entre sa qualité technique, sa vision de jeu, c'est quelqu'un qui nous a apporté et qui nous apporte, je dirais, quelque chose qui était dans le groupe, mais bon, qui permet d'avoir plusieurs solutions. Troisième trophée pour le Valaisan, présenté en triomphe sur la Planta. Sa persévérance a fini par payer. Il insuffle désormais son expérience et sa sérénité au groupe. Une quiétude qui fait partie de son caractère. Là, on a ce qu'on voulait. On a une petite terrasse aussi. On a un petit parc devant. C'est vraiment sympa. Et c'est un quartier tranquille, résidentiel, où je peux me promener avec mon chien tranquillement. Et aussi un peu mon endroit préféré, c'est le salon, parce que j'aime bien la télé. Et je suis bien ici sur mon canapé. Arnaud Buller, Sautier, Kevin Fickenscher m'ont aidé un peu pour le déménagement, à monter les meubles. On a bien rigolé parce qu'on n'est pas vraiment des manuels. On préfère utiliser nos pieds que nos mains. Et ils sont déjà venus, ils sont déjà venus boire un apéro ici. Et la crémaillère est encore à venir. Son association et sa complicité avec Goran Obradovic fonctionnent sur le terrain, dans un système où trois demi-axiaux viennent soutenir le travail des attaquants. Une combinaison probablement reconduite lors des prochaines rencontres. On a très bien joué, on a fait circuler le ballon, on a gardé le ballon très bien. Peut-être, je pense, le premier but, c'est ça le plus important. Ça a assuré un petit peu le jeu.
chaque jour, je travaille avec ça. Pendant l'entraînement, j'essaye qu'est-ce que je dois faire. À la maison, j'analyse les buts, où je dois aller, où je dois arriver. C'est ça le plus important, le timing. Je veux continuer, je veux être le meilleur avec la tête dans la Suisse. Deuxième fois dans ma vie, j'ai marqué 2 buts en Belgique, mais ça en Suisse, ça c'est la première fois. Je pense à ça, Shaqiri et Frey, c'est les deux qui sont le plus dangereux. Si tout le monde défend, ça c'est la première chose contre balle. Parce que si on défend, si on garde 0, on va marquer 2 buts et on va gagner. On peut espérer qu'une seule chose, c'est qu'on fasse une saison du tonnerre. Et pour ceux qui ne peuvent pas jouer encore, je leur demande d'avoir beaucoup de patience. On vous souhaite une bonne saison. Allez, Sion! Allez, Sion! Wow! Allez, courage les gars. Dimanche à Bâle, on va gagner.